L'errance diagnostique. Donc le parcours a été long, douloureux. Bah, je dirais que dans la maladie de Sanfilippo, ce qui est traître et sournois, c'est que jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, tout va bien. Lucine est une petite fille comme toutes les autres petites filles, qui rit, qui joue, qui grandit bien, qui parle, qui marche, qui fait des blagues. Et les difficultés, elles sont arrivées par le biais de l'école. En fait, ce qu'on a appris, c'est qu'elle a été mise de côté par l'institutrice. De notre côté, au vu de certains comportements qu'elle avait, on a cherché sur Internet. On en était venu à certaines déductions, notamment au TSA, trouble du spectre autistique, donc qui a été confirmé par le bilan de l'orthophoniste. Alors là, déjà, c'était la première bataille, parce qu'il y avait 18 mois d'attente pour avoir un bilan. Et Lucine avait 4 ans, et on savait que quand on parle d'autisme, il faut aller vite. Le centre ressources autistes, 18 mois, donc on a poussé les portes. Et là, la première difficulté, ça a été de tomber sur une stagiaire en psychologie, je crois, qui m'a appelée en me disant que je ne savais certainement pas, que ma fille ne devait certainement pas avoir de l'autisme, que c'était très subtil, je n'étais pas médecin. Sauf que je suis maman et je pense que je connaissais déjà très bien Lucine. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle change de métier. De ce fait-là, le directeur nous a rappelé en s'excusant. Et il nous a dit que effectivement, il allait nous rencontrer. Le bilan s'est fait. Et en parallèle, ils nous ont dit qu'il faudrait rencontrer un neuropédiatre. Et quand il nous a rencontrés, il m'a dit « Votre petite fille n'a rien, elle va bien. Le seul problème, c'est que vous êtes une maman angoissée et vous transmettez votre angoisse à votre enfant. Et donc, en fait, il faut couper le cordon. » Voilà. Parallèlement, Lucine continue à faire toujours des otites. Donc mon mari trouvait ça anormal. Là encore, les ORL ne diagnostiquaient rien de particulier. Donc on faisait confiance jusqu'au jour où on a dit que c'était quand même pas normal puisqu'en plus ça détruisait ses intestins, son estomac, enfin bref. Donc on a demandé un certificat médical pour pouvoir venir consulter à Necker. Et lors du premier rendez-vous, je pense que le médecin qui l'a vu, l'ORL qui l'a rencontré, qui a d'ailleurs été extraordinaire, elle avait compris tout de suite. Noah, à l'âge de, on va dire, à partir de 6 mois, la tête grossissait. Il avait aussi la colonne vertébrale qui n'était pas encore... Enfin, il était tout le temps courbé. Enfin, il était tout le temps à l'hôpital. Tout le temps, on avait des problèmes de digestion, il était constipé. Et je pense que c'est à partir de là qu'ils ont fait des examens pour voir à peu près ce qui se passait. L'annonce. Je repenserai toujours quand elle était toute petite et qu'on m'a annoncé les TSA. Donc finalement, les TSA, j'étais sur le coup effondrée. On n'en était pas encore à Sanfilippo. Hein. Et j'ai pleuré. Et elle est venue me voir et elle m'a dit « Pardon, maman. » Donc, voilà quoi. Ça montre toute la force et puis la conscience. Elle avait conscience qu'elle était différente. Elle nous a orientés vers un autre médecin, l'hôpital Necker, toujours l'hôpital Necker, qui tout de suite qui a examiné Noah et qui nous a dit de faire un test génétique. Et on l'a fait et quelques mois après, on a été convoqués par le docteur Vassili qui nous a annoncé... malheureusement, la mauvaise nouvelle. Sur le coup, je n'ai pas réalisé, il y avait aussi la colère, parce que je me dis, quand une femme enceinte, on fait tas d'examens, comment se fait-il qu'ils ont dû échapper à une maladie aussi grave? C'est vrai que l'annonce de la maladie, au début, comme on ne connaissait pas la maladie, ça, c'est vrai qu'on l'a appris, mais on n'a pas eu le choc tout de suite. Le choc est venu au fur et à mesure de l'explication, des documents qu'on nous fournissait. Nous, c'est vrai que quand la pose de diagnostic a été faite, Tom allait juste avoir 4 ans. Et c'est vrai qu'on allait juste pour une opération bénigne, il allait se faire opérer des amygdales et des végétations. Et c'est vrai que
quand il est passé au bloc et que nous on attendait en tant que parents de savoir comment s'est passée l'intervention, c'est là qu'on nous annonce on vient d'extuber votre enfant et en fin de compte votre enfant on pense que il est atteint d'une maladie. Donc on va faire les recherches et on en saura plus dans les semaines à venir. Et c'est vrai que là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas nous, ils se sont trompés de numéro de chambre, ils se sont trompés d'enfant. Maladie rare, c'est bien de dire une maladie rare, mais après maladie rare, qu'est-ce que ça veut dire? Maladie rare, c'est une maladie qui dont il y a un traitement qui peut améliorer le quotidien et qui peut guérir l'enfant, ou est-ce que c'est une maladie rare qui, malheureusement, derrière, a un pronostic vital? Et quand malheureusement on nous annonce que c'est pas non qu'une maladie rare, mais qu'il y a un pronostic vital derrière avec une espérance de vie courte, là par contre, c'est plus du tout la même chose. Là on a notre vie qui bascule complètement. Parce quand ils m'ont annoncé, donc j'ai dit qu'il n'y avait pas, le traitement pour l'autre qui est décédé, son frère, je l'ai perdu, il avait 10 ans. Et avec Alpha, quand il est né, ils ont fait le test pendant la naissance. Et après là, ils m'ont dit que vous avez votre fils, il a la maladie de son frère. Et là, j'ai craqué. Et parce que comme que j'ai vécu plusieurs années avec son frère en Afrique, qui ne pouvait pas parler, qui ne marchait pas pendant 2 ans, donc qui souffrait beaucoup. Et donc, il n'y avait pas le traitement. Et donc, c'est ça qui m'a fait peur. Là, c'est un regret, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu que le papa de Lucine soit présent. Je me rappelle, ils m'ont pris dans un bureau fermé, sans vitre, et j'étais seule face à ces 3 personnes devant moi, un peu comme dans un tribunal. Et on m'a annoncé, l'impensable à une maman, c'est-à-dire que j'avais une petite fille qui était atteinte d'une maladie génétique rare, pour laquelle il n'y avait pas de traitement, et dont l'espérance de vie était entre 15 et 16 ans. Donc j'étais seule dans ce trou noir parce que je crois que j'ai mis de côté le bout du chemin, j'ai mis de côté le mot comme quoi au bout c'était la mort en fait. Je me suis dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on se bat? Alors, c'est douloureux de savoir, mais c'est mieux de savoir que de ne pas savoir. L'évolution de la maladie. Quand on dit qu'au départ on n'a pas pris conscience, c'est que nous, on voyait juste une maladie, en fait. On voyait pas, on se disait pas que ça allait aussi être évolutif dans ce sens-là. Oui, il est quand même allé au jardin d'enfants. Je crois 2 ans et demi, jardin d'enfants, ça se passait très bien. 3 ans, il est rentré à l'école. Il parlait, il disait maman, papa, il disait le prénom de ses sœurs. Il faisait, en fait, c'était si comme un enfant normal, en fait. Et 3 ans et demi, ça commençait à dégringoler. Je pense que c'est là que c'était un peu difficile. C'était vraiment compliqué, même au niveau du couple, c'était compliqué. Je sais pas si je peux le dire, mais bon. Vas-y. On arrivait quand même à s'accuser, nous, d'un coup. Moi, comme il disait mon mari, on s'est accusé, on s'est posé plein de questions. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour avoir un enfant malade? Et même moi, puisque le médecin a dit que c'est lié au chromosome X, puisque ça vient de ma famille, donc je culpabilisais par rapport à tout ça. Il avait des troubles du comportement qui étaient vraiment difficiles à gérer. Il tapait les autres enfants à l'école, et ça commençait vraiment à se passer très mal. Il avait commencé avec une AVS aussi à l'école maternelle. On nous a conseillé qu'il entre... dans une école spécialisée, encore un autre choc. Je dis, c'est vrai que je vois bien la situation, mais il a une AVS et je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez le mettre, vous voulez qu'il aille là. C'est la mise en danger continuellement, c'est-à-dire que Tom porte tout à la bouche, attrape tout ce qui est à portée de main et voit pas du tout le danger, en fin de compte, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Mm-hmm.
Et puis de la moyenne section, ça commençait un peu à devenir un peu compliqué du point de vue de la prise en charge. Troubles du comportement vis-à-vis des autres enfants, ils perturbaient forcément un peu les activités. Donc on nous avait proposé de rencontrer le psychologue de l'établissement. Et suite à ça, on a rencontré ensuite le CMP, où on a fait tout un bilan de prise en charge qui nous a orienté vers un hôpital de jour. Et ensuite, on nous a réorienté vers un IEM qui était aussi dans la même structure et où il se retrouvait avec d'autres enfants qui avaient aussi différents handicaps, que ce soit physique ou psychologique. Le fait qu'il soit rejeté dans l'école normale, comme on dit, pour une autre école, on va dire, spécialisée avec les enfants malades, celle-là, maintenant, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un enfant malade. Accepter, c'est... continuer de vivre et d'en parler. Parce que je ne parlais pas du tout de la maladie. Même quand le docteur Vassili m'avait tenu le livre de l'association VML, j'ai failli le jeter en fait. J'étais choquée parce que vu comment les autres enfants étaient sur la photo, j'ai dit mais mon fils n'est pas comme ça, pourquoi il me donne ça? Sur le coup, je ne lui ai pas parlé de ça en fait. J'arrive à la maison, j'ai feuilleté, j'ai dit non, je l'ai posé à quelque part. Et c'est avec le temps. On a rencontré plusieurs professionnels, vous et la psychologue, l'assistante sociale, l'équipe soignante. J'ai discuté avec les familles. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à accepter la maladie. Alpha, ce qui me fait toucher quand même quand tu le vois au niveau du regard des autres, on ne peut pas savoir qu'elle est vraiment un enfant handicapé. On ne voit pas. Elle est un enfant qui est normal. Et parfois, quand je monte avec lui dans le transport, les bus ou quelque chose comme ça, les trajets, les gens, ils le prennent un peu pour un enfant qui est mal élevé, mal éduqué. Mais moi, tout ça, ça me dirait. Parce que je suis très contente de mon fils, qu'il ne soit pas vraiment marqué d'une façon de sa maladie, que les gens qui le remarquent d'une autre manière. Et donc maintenant, Lucine est prise dans un centre. Et je dirais que c'est à la fois... c'est très bien pour elle parce que comme je pense qu'on a tous besoin d'une vie sociale, donc on a notre vie professionnelle, sa sœur à son collège, Lucine à son centre avec ses copains-copines. Elle fait les petits cadeaux de fête des mères, fête des pères, comme tous les petits enfants. Enfin voilà, plein de petites choses qui font qu'elle a une vie. On essaye de faire en sorte qu'elle ait une vie comme tous les enfants. C'est très dur quand même, c'est très dur. Il y a un moment tu vas dire que oh là là, c'est une vie, c'est presque que tu n'as pas de vie. Presque t'es pas de vie. Tu es toujours avec l'enfant, les rendez-vous au camp, c'est donc tu es en surveillance aussi dans la maison quand il prenait pas le Qasim. On est dans une phase où moi, communique même plus. C'est-à-dire que c'est vous voulez parler. Si vous avez la chance, il vous regarde. Si vous n'avez pas la chance, il... On a l'impression qu'il n'est pas avec nous en fait. Là, en ce moment, on a l'impression qu'il n'est pas avec nous. Quand on lui parle, il ne réagit même plus à son prénom. C'est triste. Ça fait mal. Ça fait mal, mais bon, je pense que chacun essaie de cacher ça au fond de lui. Voilà. On ne veut pas montrer ça. Moi, je ne lui montre pas que voilà, ça me fait mal. Je ne montre pas aux enfants que... Il y a quelque chose qui se passe. Des fois, on est un peu découragé. On se dit, mais quand est-ce qu'on va se reposer, en fin de compte? Parce que quand on n'a pas dormi, que faut en plus gérer la journée par-dessus. Et puis, forcément, il n'y a pas que Tom non plus à gérer. Il y a les frères et sœurs. C'est notre combat, comme on dit. Le lien avec les associations et les autres familles. On a pris contact avec l'association PML, qui ont d'ailleurs nous ont envoyé la documentation parce qu'ils avaient fait un livre sur San Filippo B. Donc qu'on a diffusé aux grands-parents. Qu'on a montré à notre entourage. Maintenant, on a, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu le courage de rencontrer d'autres parents qui étaient confrontés. Je
pense que de peur de se retrouver avec des enfants plus âgés, et donc plus atteints, et de se retrouver en fait physiquement face à la réalité de ce qui nous attend. C'est un peu égoïste, mais je veux un peu nous préserver. C'est vrai que c'est au début même, c'était difficile de se rapprocher de certaines familles parce que moi, on n'avait pas encore cette étape-là de maladie. Il était un peu différent des autres au début. Et plus on échangeait, et ça me faisait du bien. Et ça fait que je me suis ouverte aussi. La situation de Vemel que j'ai racontée à Niker, on a un lien entre nous, les parents. C'est comme un lien familial, c'est très touchant entre nous. Et donc ça aussi, c'est très important. Sakan parle comment elle vit de cette maladie-là, et chacun de nous aussi donne l'autre aussi la conseil de pouvoir tenir. Et un jour aussi, tu le perds aussi, c'est ça qui est très difficile. Même pour les enfants, parce qu'Alpha, ça m'a marqué, il y avait un enfant qui avait la même pathologie, qu'on partait chaque année en vacances. Et moi, j'ai remarqué, parce que les parents, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que l'enfant, il est parti. Et moi, je ne voulais pas parler à Alpha. Et finalement, c'est lui-même qui a remarqué. On était dans une salle, tout le monde, mais il n'arrêtait pas de poser la question, la maman de l'enfant et son père. Et finalement, eux, ils me regardaient et voilà, on ne savait pas comment on va faire. Et finalement, quand on l'a dit, ça l'a trop marqué d'une façon, c'était très dur. C'est vrai qu'on n'aurait pas rencontré ses parents-là. C'est vrai qu'on est dispatchés dans les quatre coins de la France. Et c'est vrai que, bah, en tant que parents, bah, on est tout seul avec notre enfant à la maison. Bah, même pour les frères et sœurs, des fois aussi, faut pas cacher, ils en ont un peu à ras-le-bol de la maladie, parce que c'est vrai que ça prend énormément de place à la maison. Et c'est vrai que de ce côté-là aussi, ça a pu permettre aussi aux frères et sœurs de rencontrer d'autres frères et sœurs aussi, et de créer aussi des liens, et puis de se dire qu'ils ne sont pas non plus isolés aussi tout seuls en tant que frères et sœurs. La famille. On était épuisés, le travail plus les autres enfants. J'ai dit, mais si j'avais su au départ, je n'avais pas peut-être fait la dernière. Parce que là, Noé, il demande beaucoup. Des fois, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Ouais, c'était difficile. Je m'enfermais des fois, je pleurais. J'appelais ma mère aussi. Lui, des fois, je lui cachais des choses, je ne lui disais pas tout. Même je ne sortais plus, je voulais... Mes amis que j'appelais avant, j'appelais plus. J'ai coupé les ponts avec presque tout le monde. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que j'ai élevé Noah. Enfin, oui, parce que c'est arrivé un moment. Un peu différemment. Ouais. Ça fait même maintenant le retour, même que la petite sœur s'est responsabilisée. Très vite. Très vite. On se sentait un peu coupable parce que voilà, des fois, on disait, on ne s'est pas occupé de Maggie. Et la grande sœur? Elle, je pense que là, elle ressent un peu la colère aussi. Parce que là, elle a 16 ans, elle comprend beaucoup mieux. Du fait qu'on a deux enfants qui sont maintenant de 17 ans et demi et de 16 ans et demi, donc c'est eux qui prennent la relève, le temps d'un resto, le temps d'un cinéma. Ils nous aident au quotidien, que ça soit pour habiller Tom, pour le doucher quand on a besoin. C'est vrai que ils ont grandi avec la maladie en fin de compte. Et des fois, on regrette un peu d'être passé auprès de certaines choses, auprès des grands en fin de compte. Au début, j'arrivais à accumuler en fin de compte mon travail et la prise en charge de Tom, sauf que Tom grandit, ouais. Faire les transferts voiture, poussette ou sur la table de kiné ou soit en psychomotricité. Donc c'est vrai que moi j'arrivais plus à le soulever, hein. Donc mon conjoint s'est arrêté de travailler et comme on dit, c'est pas que les parents qui sont impactés, c'est l'ensemble familial. Et Et malheureusement, forcément, les frères et sœurs qui se trouvent au-dessus et en dessous, ils grandissent plus vite que prévu parce que ils ont
on n'a pas trop le choix. Ça, ses frères et sœurs, le début, c'était un peu dur. Et c'est comme l'autre aussi, le grand frère, c'était très difficile. Il me disait, oui, Alpha, c'est comme une roi. Parce que tu l'amènes à manger, tu ramènes, tu l'aides, tu fais tout ça, tu lui donnes la douche, tu fais tout ça. Et finalement, au fur et à mesure, elle a vu que son frère, vraiment, que c'est maintenant qu'elle acceptait vraiment que son frère, il a maladie dentaire. Et c'est lui-même maintenant qui s'occupe de son frère. Ouais. Mais je lui disais, tu sais, pourquoi j'ai fait ça, c'est pas question que je vous aime pas. Vous pouvez faire, chercher votre plateau, vous pouvez préparer, vous pouvez amener des choses, vous pouvez, votre frère, il ne pourra pas le faire. Vous allez voir, vous tous, que je vous aime. Et au fur et à mesure, donc là, ils ont compris, donc je ne sais pas, je suis très heureux. Ce qu'il y a de formidable avec Eline, c'est que elle est généreuse, elle est tolérante, et c'est-à-dire qu'elle ne voit pas sa sœur comme la petite sœur qui est malade et à qui on apporte beaucoup d'attention. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie, c'est plus on est soudés, on est une famille, et qu'est-ce qu'on peut faire les uns pour les autres au vu des circonstances pour aller bien. Après, on ne lui avait pas non plus donné le nom de la maladie parce qu'on ne voulait pas qu'Internet fasse son œuvre. La neuropédiatre l'a rencontrée et elle lui a demandé clairement si elle voulait connaître la suite. Elle a dit non, je préfère profiter du moment présent. Donc, on respecte. La prise en charge. Le début, quand même, quand il avait vers coup de 5 ans, 6 ans, le début, on partait à Niquaire tous les vendredis, il disait rien, comme qu'il est. Mais au fur et à mesure, quand il commence à grandir, il posait des questions. Et je n'ai marre, je ne pars pas à Niquaire, je n'ai rien, je ne suis pas malade. Mais après, au fur et à mesure, avec le temps, et il acceptait le traitement. Et tout ce que j'avais vécu pour le grand frère d'Alpha avec la maladie dentaire, et je ne vois pas si l'Alpha. Alpha, quand même, il a eu la chance quand même de commencer tout, par rapport aux autres enfants que j'ai vus. Ouais. Après, on s'est quand même accroché à l'école avec le fait de se dire bah, on va mettre une AVS en place, on va faire les dossiers MDPH. Là, on s'est retrouvé confronté à la machine administrative, donc ça, c'est pas simple non plus. Lourde, longue, on est seul. Dans les AVS, il y a de tout. Sa dernière a été extraordinaire, la première a été affreuse, puisque je le dis sans difficulté hein, maintenant. Elle m'a dit que ma petite fille était une erreur de la nature. Voilà. Donc, une fois qu'on vous a dit ça, vous dites bon. Alors, où est notre place? Où est sa place? Comment on réagit? On se replie? On se protège? Elle a fait son cursus à l'école maternelle parce qu'on se disait que tant qu'on pouvait la tirer vers le haut, il fallait la tirer vers le haut. Après, on se rendait bien compte qu'un CP, ce n'était pas possible. Donc, on s'est battu pour une classe ULIS. Moi, ce qui m'a choquée dans ces dossiers MDPH, c'est qu'on demande quel projet de vie envisagez-vous pour votre enfant? Projet de vie. Ça a été aussi des choses très douloureuses parce qu'il a fallu écrire. J'ai beaucoup écrit. Donc c'est pas simple de coucher sur le papier tout ce qui ne va pas finalement. Montrer toutes les difficultés, etc. Parce que ben, ça renvoie voilà, à ce que mon mari disait, le deuil de beaucoup de choses. Comme on dit, on n'est jamais satisfait forcément des prises en charge en centre parce que c'est vrai que ben, eux aussi sont démunis parce qu'ils se retrouvent avec... un groupe de personnes avec différents handicaps, différentes pathologies et maladies différentes. Donc c'est vrai que ben, tout le monde n'a pas les mêmes besoins et puis ils n'ont pas non plus ben, tout le matériel des fois adapté pour chaque enfant. Et c'est vrai qu'ils sont aussi en manque de personnel aussi, malheureusement. Et c'est vrai que des fois, ben, on râle forcément parce que bah, soit on nous annonce 15 jours ou 3 semaines après que bah, ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'il n'a pas eu de kiné ou 15 jours ou 3 semaines qu'il n'a pas eu d'orthophoniste ou même des fois on nous annonce 6 mois après. C'est vrai qu'on a été très accompagnés. Il y a une équipe disciplinaire qui s'est vraiment organisée. Et franchement, sur ce côté-là, on n'a rien à dire. On a été soutenu très bien, même jusqu'à présent. Ça, quand on a besoin, on est toujours écouté. Noah est toujours, le médecin est toujours disponible. Tous les médecins ont été toujours disponibles pour nous.
je ne veux pas vanter l'hôpital Necker, mais c'est vrai que on attend avec impatience à chaque fois notre hospitalisation tous les 6 mois pour arriver à refaire le point avec toute l'équipe, que ce soit assistante sociale, psychologue, psychomote, kiné. C'est vrai, pour faire un point sur l'ensemble de la prise en charge de Tom. Parce que voilà, il y a des professionnels qui ne savent pas entendre, mais il y en a d'autres qui savent entendre. Et par exemple, avec son orthophoniste, je pense qu'il y a... Il y a de l'amour véritable entre elles deux. Et donc, pendant ce confinement, au départ, c'était super. Parce que de ce fait-là, on se voyait tous et on profitait les uns des autres. Donc, les premiers jours, c'était bien. Quand les troubles de Lucine, parce qu'il n'y avait plus de prise en charge du tout, sont réapparus, c'était déjà beaucoup moins bien. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, tout le bénéfice des prises en charge, comme quoi ça avait leur utilité. Même nous, on n'a jamais douté, mais... On s'en apercevait peut-être plus, et finalement ça aide dans notre quotidien. Donc tous ces troubles qui revenaient, donc en fait tous ces efforts pendant toutes ces années qui étaient en train de partir en fumée, parce que la maladie elle n'a pas été confinée, elle a continué à avancer. Donc ça c'était très dur. Bah nous du point de vue des frères et sœurs, c'est vrai qu'ils ont un suivi psychologue et psychiatre, hein, parce que c'est vrai que c'est une maladie malheureusement avec un pronostic vital engagé. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, il y a beaucoup de petits copains qui sont malheureusement partis, qui faisaient partie de notre vie et de notre quotidien. La fin de vie. Finalement, j'ai dit j'accepte. C'est mon destin, donc c'est ça. Donc j'accepte la maladie, j'accepte tout ce qui va m'arriver dans ma vie pour soutenir Alpha jusqu'au bout. Je vais le soutenir quand même jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est moi qui... On ne sait jamais dans la vie, je ne sais pas si c'est moi qui va partir ou on ne sait pas. Mais je serai toujours là avec lui jusqu'à là. Ouais. On voit que les années passent et on se rapproche forcément... Malheureusement, comme on dit, on a notre vie en point de suspension. Un jour, on lui avait offert le déguisement de Mary Poppins dans sa robe blanche. Et on a eu une remarque un petit peu moqueuse. Et j'ai regardé la personne et je lui ai dit, mais oui, mais moi j'aurais jamais l'occasion d'aller dans un magasin pour lui offrir une belle robe blanche pour se marier. Et son papa la conduira jamais à l'hôtel pour se marier. Projeter dans l'avenir, je pose une question difficile. Ouais, projeter dans la vie, c'est difficile. Et donc, on est venu à penser l'un, l'autre, tous les deux en même temps, à la fin. Je pense qu'en plus, en tout cas pour ma part, j'essaye d'anticiper pour essayer de me préparer, même si finalement, je crois qu'au fond de moi, je sais que je ne serai jamais prête. Donc j'ai commencé à réfléchir à quel lieu pour pouvoir aller me recueillir, pour aller voir Lucine. Quelle dernière maison pour elle. Alors je ne sais pas si je dois le dire et peut-être qu'on le coupera, mais quand j'en avais parlé un jour à mon mari m'a dit de toute façon le jour où ça arrivera, le premier soir, je prendrai mon duvet et j'irai dormir à côté d'elle. Et pendant ce confinement, Lucine a fait pour la première fois une crise d'épilepsie. Donc on a eu très peur. Pour la première fois, j'ai vu le papa Lucine avoir peur. Ça m'a rassurée quelque part. C'est pas bien. Et on a eu peur que voilà, ce soit le moment, soit l'instant. Et on s'est dit non, pas maintenant, pas comme ça, pas tout de suite. Il y a encore des choses à vivre. Donc en fait, ça se bousculait. Pas comme ça, on sait que ça doit arriver, mais non, mais on veut pas, mais on veut. Et là, on s'est dit, il faut pas que le jour où ça arrivera, faut qu'on sache ce qui... Enfin, il faut qu'il y ait des consignes pour savoir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. On réanime pas. Pour la première fois, depuis que j'ai appris que Lucine avait la maladie de Sanfilippo, je suis allée sur Internet. Et là, j'ai lu le détail de ce qu'allait devenir la vie de Lucine. La fin de vie, plutôt, oui, de Lucine, suite à la dégénérescence du cerveau. Et j'ai dit, mais c'est pas elle, ça lui ressemble pas et je veux pas ça. Je veux pas ça pour ma petite fille. En fait, on va utiliser le mot. Hein. Est-ce qu'on peut parler d'euthanasie? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est un vrai débat. Et... Je veux pouvoir lui offrir un dernier cadeau, c'est-à-dire partir dignement.
Voilà, je veux pouvoir encore lui offrir ça. Mais c'est pas si simple. Et donc on a rencontré une équipe qui s'occupe des soins palliatifs. Ça nous a soulagé de parler avec eux, avec cette équipe. Ça nous a soulagé aussi de préparer ce moment, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, on n'aura sans doute pas la force ni les capacités, je pense, pour prendre les décisions les plus pertinentes. Donc c'est important de trouver la force et le courage d'aborder le pire des sujets, c'est-à-dire la mort de son enfant. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de mots. C'est vrai. Quand vous êtes, vous perdez un époux, une épouse, vous êtes veuve-veuve. Quand vous perdez un parent, vous êtes orphelin. Et quand vous perdez un enfant. Dans l'entourage, même médical, hein, on ne veut pas entendre, on ne veut pas savoir, ou on minimise, ou on fait comme si ça n'existait pas. Et moi, je suis arrivée à un stade où c'est quelque chose que je ne supporte plus, de faire comme si tout allait bien et tout était normal. On devient la hantise, la hantise de ce que chacun a envie d'être. Oui, d'ailleurs, en fait, on se rend compte que ça nous fait faire des belles rencontres. Et puis, en même temps, les connaissances changent. C'est-à-dire qu'on va perdre des gens parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ça permet de révéler... La vraie personnalité. La vraie personnalité des gens. Et de se rendre compte qu'en fait, les vraies valeurs de la vie, ce n'est pas forcément le statut social, la réussite professionnelle, financière ou autre. Mais ce sont vraiment les valeurs de personnalité, les valeurs de caractère des gens, de générosité. De tolérance et d'entraide. Et je pense que ce sont ces moments-là où on se rend compte en fait qu'il y a des gens qui sont formidables. Formidables. Et ce sont eux qui nous permettent de nous enrichir et qui enrichissent aussi et surtout notre société en fait. Grâce à eux. Le parcours est peut-être dur, douloureux, mais ça, comme on en a échangé, ça nous transforme. Je veux dire, moi, au jour d'aujourd'hui, je le dis et à chaque fois, je suis désolée pour mon mari, mais quand je fermerai mes yeux, je saurai ce que c'est que d'être aimée de façon inconditionnelle. Je connaîtrai ce que c'est l'amour vrai, pur, intense, où la personne vous regarde et... Parce que quand on a appris l'annonce de la maladie, j'ai dû arrêter de travailler pendant 4 ans pour m'occuper de Noah et la petite, et la dernière. Et quand il est rentré à l'école, je me suis dit, bon, la situation commence à aller, donc pourquoi ne pas moi aussi commencer à trouver quelque chose. Et c'est en accompagnant à l'hôpital que j'ai découvert le métier d'aide soignante. Parce que vu l'équipe, comment ils s'occupaient des enfants, des malades, je me dis, mais on s'occupe de mon fils, pourquoi pas moi. C'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure. Et j'ai pu passer mon concours et je m'occupe aussi des personnes malades. Je suis vraiment très, très épanouie de mon travail. Tout ça, c'est grâce aussi à Noah. Donc ça, c'est des points positifs aussi. Et Noah apporte beaucoup. Quand je dis qu'il apporte beaucoup, il est très accueillant, malgré qu'il est malade. Mais on a 3 enfants, mais c'est le seul qui accueille, qui aime la socialisation, qui est très chaleureux, qui aime les gens en fait. Ça m'a rendu plus fort. Le jour même qu'ils m'ont annoncé, ça m'a rendu plus fort. Parce que... la maladie de son grand frère, ça m'a trop marqué, il est décédé et tout ça, donc plus difficile est passé. Le plus difficile est passé et ce qui va arriver, il faut l'accepter. Moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Ouais. J'ai craqué, mais après j'ai dit, j'ai craqué aujourd'hui, il faut que je tienne mon cœur. On a l'impression de vivre une histoire avec Lucine, plus courte, et de cette la plus intense. Donc aussi bien en amour, qu'en joie de vivre, qu'en tristesse. Également. Comme on dit à Necker, si on ne peut pas rajouter des jours à la vie, on rajoute de la vie au jour. Et c'est ce qu'on essaye de faire chaque jour qui passe. Même si c'est pas simple. Oui. Malgré la situation qui est dramatique. J'ai le sourire, mais c'est un véritable.
véritable drame que l'on est en train de vivre. C'est une expérience exceptionnelle. Et pour rien au monde, on voudrait changer notre Lulu. Pour rien au monde, on voudrait faire marche arrière. Et on a le sentiment et l'intime conviction que grâce à notre Lulu, on a une richesse que la majorité des gens n'ont pas. Elle nous a révélé en fait. Elle nous a révélé, puis quelque part, elle nous sauve en même temps. Puis elle nous a montré qu'une bouteille, elle est à moitié vide et à moitié pleine. Mais c'est toujours la partie à moitié pleine qui est la plus intéressante et qu'il faut toujours privilégier sur la partie à moitié vide. Bravo. T'as vu?